Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. OTEP à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les mêmes causes produisent les mêmes effets au Mali comme au Burkina Faso. Eh oui. Et le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. La France et ses alliés occidentaux sont en train de répéter le scénario du Mali au Burkina Faso. Lorsque le capitaine Traoré a pris le pouvoir, il y a quelques mois, les choses allaient normalement. Le jour même de sa prise de pouvoir, il a fait une déclaration qu'il voulait changer de partenariat. Il s'est tout de suite rétracté sous la pression des Occidentaux. RFI, France 24 ont commencé à crier, à pleurnicher, à s'agenouiller, à taper sur les marmites, ainsi de suite. Et le capitaine Traoré a retiré ses paroles, dit non, 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 j'ai dit je veux changer de partenaire, mais je n'ai jamais dit que la France doit partir. Et ils se sont calés, ils se sont dit, oh, enfin, voilà encore un docile, voilà un autre Damiba. Celui-là, c'est le cadet de Damiba. Il est aussi docile que tout. Et il nous aime, il nous adore. On va encore, lui, permettez-moi le terme, baiser la gueule. Mais, les choses étant de ce qu'elles sont, le Premier ministre s'est rendu en Russie. Pourquoi il s'est rendu en Russie? Parce que la France, d'abord, le président Traoré, voyant que l'armée est défaillante, il va lancer une mobilisation générale dans le pays pour recruter 50 000 volontaires. En quelques semaines, ils ont dépassé le nombre qu'ils voulaient. Ils sont dépassés. Ils étaient à près de 80 000. 90 000 même. Donc, ils étaient même embarrassés. Or, les Français s'attendaient à ce que Traoré fasse venir Barkhane, qui est là au Niger, qu'il vienne au Burkina Faso pour renforcer Sabre qui est là. En fait, c'est ça qu'ils attendaient. Parce que Barkhane, quand ils ont quitté le Mali, ils sont partis au Niger. C'était dans le but de s'installer à la fois au Niger et
au Burkina Faso. Parce qu'au Niger, il y a déjà les Américains qui sont là, qui ne veulent pas voir les Français à côté d'eux. Parce qu'entre eux déjà, ils se battent. Donc les Français se disaient, OK, nous, on a une base de repli au Burkina Faso. On a une autre au Tchad. Donc les 2500 qui sont allés, soldats, les mercenaires de Barkhane qui sont allés au Niger, en fait, il y en avait qui devraient donc venir au Burkina Faso. Et eux, ils n'attendaient que le nouveau gouvernement. Donc, quand Traoré prend le pouvoir, ils se disaient que non, il va donc les faire rentrer au Burkina Faso. Ce que Traoré n'a pas fait. Traoré se dit non, vous avez échoué au Mali. Moi, je ne suis pas aussi bête que Bazoum, parce que Bazoum, c'est un civil, lui, c'est un militaire. Il les a vus sur le terrain. Il a été avec eux sur le terrain. Donc, il sait exactement ce qu'ils valent. Et oui, c'est ça le problème. C'est comme Assimi Goïta. Assimi Goïta est arrivé à ce point à faire ce travail parce qu'Assimi Goïta les connaissait, il a travaillé avec eux. Il a compris que ce sont eux le problème. Donc je ne peux pas leur faire confiance. C'est ce que Traoré aussi a compris. Bravo, mon cher petit frère président. Il a compris ça. Donc lui, il se dit, je dois m'appuyer sur la force nationale, sur les volontaires qu'il a recrutés. Maintenant, il se retrouve avec un problème, c'est qu'il n'a pas d'armes, il n'a pas d'équipement pour ses volontaires. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande à la France, il appelle l'ambassadeur, il demande à la France officiellement, écoutez, nous avons des gens qui sont là, qui peuvent faire l'affaire, donnez-leur l'équipement. Et c'est là qu'il a eu la France. Il a coincé Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, Macron la gaffe, comme moi je l'appelle maintenant, Macron la gaffe, parce qu'il commet toujours des erreurs. Qu'est-ce qu'il fait? Il va lui dire que non, nous, ce n'est pas ce que nous attendons. Nous, on attendait que tu puisses activer Sabre et puis renforcer cette équipe de Sabre. Donc, à la place de 50 000 volontaires, ce serait peut-être 50 000 mercenaires français qui devraient venir pour occuper tout le pays et puis voler les matières premières. Donc nous, la raison qu'ils ont évoquée officiellement, nous ne pouvons pas équiper des milices. Ils appellent ça milice. Traoré qui dit, moi aussi, je ne veux pas travailler avec des mercenaires de la Légion étrangère. Vos mercenaires, là. Vous restez avec eux. Ils se sont dit, ah, bon, comme le Premier ministre ne veut pas coopérer avec la Russie, puisque le Premier ministre avait entre-temps fait une déclaration pour dire que non, ce n'est pas au peuple de me demander d'aller en Russie. Donc, ils se disaient que, ben, ils ne pourront pas se tourner vers les Russes parce que nous, nous sommes là. Parce que nous faisons pression. Entre-temps, les Américains ont tapé du poing sur la table. Ils ont sorti le Burkina Faso de l'AGOA. Mais le Burkina Faso gagne rien dans ça. C'est ça le problème. Parce que les sanctions, ça marche. Quand ce sont ces sanctions, sans les sanctions, c'est cette situation qui vous fait vivre. Mais à partir du moment où, avec ou sans les sanctions, on s'en fiche éperdument, les sanctions ne marchent pas. C'est ça. Les Burkinabés ne vivent pas des accords de l'AGOA. Même pas à 5%. Voilà le vrai problème. Ce qui fait que, bon, quand on les sort de l'AGOA, en fait, c'est un coup de pied dans l'eau. Ça ne change rien. Du tout. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le Premier ministre, voyant que il a des volontaires qui ne sont pas armés, qui ne sont pas équipés, il a une armée qui n'est pas équipée, alors la France refuse de les équiper. Elle a toujours refusé d'ailleurs parce que la France pense que c'est elle qui doit occuper le pays, pas équiper, elle doit occuper le pays. Le Premier ministre se rend en Russie. 8 jours. C'est une semaine. Une semaine. En tout cas, plus d'une semaine. 8 jours que le Premier ministre a passé en Russie. Ça a commencé à les inquiéter.
Et ils se sont dit, merde, les gens-là nous ont fait un coup. Il faut essayer de retrouver la situation. Et c'est là qu'ils vont agiter maintenant, ils vont activer tous les réseaux. Ils ont commencé par activer les espions pour rentrer au niveau de l'armée, pour avoir des informations. Comme ça, ils vont prendre des informations données aux terroristes pour tuer encore plus de militaires burkinabés. Eh bien, les espions ont été arrêtés, expulsés. D'ailleurs, le président a été très gentil parce qu'on aurait dû les mettre en prison. Ils ont été arrêtés, on les a expulsés. Alors, ils font intervenir maintenant la coordinatrice de la mission des Nations Unies. Elle, maintenant, elle va rencontrer les terroristes, s'organiser avec eux pour voir comment il faut les placer. Madame a travaillé en Ukraine. On voit l'Ukraine dans le chaos. Madame a travaillé en Somalie. La Somalie dans le chaos. Madame a travaillé en Afghanistan. Donc, partout là où elle passe, c'est pour créer le chaos. Et c'est ce qu'elle voulait faire aussi au Burkina Faso. Cette fois-ci, eh bien, le président Traoré, qui a une expérience du terrain, va lui couper l'herbe sous le pied. Eh oui, la branche sur laquelle elle était assise, on a coupé. On l'a pris, expulsé. Personne n'en gratta. Ils vont faire quoi? Il leur reste maintenant l'ambassadeur. L'ambassadeur, quand il dit « telle ville va être attaquée », le lendemain, c'est le chaos total. Comment il arrive à trouver ces informations? Ça veut dire qu'il est en complicité avec les terroristes. Là encore, le président qui dit « ah, ah bon, ok, monsieur, oust, quittez de mon territoire. » Ils ont demandé à la France de le rappeler. Donc, et là, la France n'a pas encore répondu. Elle va faire comme si elle n'a jamais reçu le courrier. Mais ils savent qu'ils ont reçu le courrier déjà. Le ministère des Affaires étrangères a reçu le courrier. Mais ils vont faire comme s'ils n'ont rien reçu pour continuer à le laisser là. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'il n'aura plus accès au gouvernement burkinabé. Aussi simple que ça. Donc, il va rester dans son bureau, il quitte la maison, il vient dans son bureau. Et puis, il voit avec Sabre comment il faut faire. Parce que son départ là, entraîne aussi le départ de Sabre. Ah, je reprends. Le départ de Luc Allade, ce criminel, qui a fait plusieurs années, c'est un militaire d'ailleurs. Vous voyez comment la France travaille? Elle envoie chez nous là. Quand la France vous envoie un militaire comme ambassadeur, ça veut dire qu'elle attend des troubles, la déstabilisation, la guerre, civile notamment. Et d'ailleurs, c'est ce que Luc Allade l'a dit. Il dit au Burkina Faso là, c'est pas les terroristes, c'est une guerre civile. Alors là, bon, mentalement, il est dérangé. Hein. C'est clair. Vous savez, quand vous tuez trop de gens, en fin de compte, eh bien, vous, votre tête aussi finit par éclater. Eh oui, à force de tuer les gens, le sang des gens, là, ça vous revient. Et c'est, mystiquement, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Vous tuez les gens, mais ces gens-là, ces démons-là, ils courent après vous. Vous appelez des démons après vous. Eh oui. Bref, Luc Allade aussi, on le prend viré. Emmanuel Macron a beau faire pour faire croire que bon, pour ne pas rappeler son ambassadeur, mais son ambassadeur sera là comme un homme potiche et c'est la honte de la France. Ça va lui faire la honte encore plus. Parce que plus il va le garder là, plus eh ben, un jour il va apprendre qu'il a été expulsé et il n'a plus le droit de faire rentrer, de changer d'ambassadeur. Ça va être comme au Mali. On reste sans ambassadeur. Moi aussi, je rappelle le mien et puis surtout, on n'en parle plus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont choisi l'autre méthode. Maintenant, c'est les droits de l'homme qui montent au créneau. Ils disent, non, on a tué 26 civils. Les volontaires là que Traoré venait de recruter, ce sont des tueurs. Ils ne respectent pas les droits de l'homme, ils ont tué des civils. Les associations des droits de l'homme n'avaient jamais dit qu'on a tué des terroristes. Hein, parce qu'il n'y a pas de terroristes. Luc Allade a dit, c'est une guerre civile. Pas de terroristes. Mais ils ont occupé le territoire. C'est pas de terroristes. Non, il n'y a pas de terroristes. Maintenant, on commence à parler des droits de l'homme. Ah oui, le gouvernement doit se justifier. Donc pour le distraire,
notre message au président Traoré. Quand vous voyez comme ça, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Ah, je reprends. Lorsque vous voyez les choses se passer comme ça, c'est que vous êtes sur la bonne voie. C'est exactement ce qu'ils ont fait à Simi Goïta. Oui, vous allez me dire que lundi, il y a eu, dans la nuit de lundi à mardi, il y a eu deux attaques simultanées, qui n'ont pas fait beaucoup de dégâts d'ailleurs, mais quand même on déplore deux ou trois morts. Vous allez me dire, mais ça, il faut quand même rappeler, ça fait au moins 7 mois qu'il n'y a plus eu d'attaque au Mali. 7 mois. Le Burkina Faso vient de commencer. Monsieur le Président, vous venez de commencer. Et vous êtes sur la bonne voie. Vous allez vous équiper encore plus. Vous allez faire venir des instructeurs russes pour former vos gars. Vous allez envoyer vos gens en Russie pour être formés rapidement. Vous verrez qu'avant la fin de cette année, l'armée burkinabé va monter en puissance et elle aura le contrôle de la situation. Mais attention, vous ne devez pas garder sabre. Non. Si vous gardez sabre là-bas, vous allez toujours avoir de sérieux problèmes. Et il faut savoir une chose, la France ne vous pardonnera pas ce que vous avez fait. Allez en Russie, signez des accords avec la Russie et aussi demandez le rappel de leur ambassadeur. Sachez-le, quel que soit ce que vous allez faire, même si vous donnez votre vie à la France, là, elle ne va pas vous pardonner. La France-Afrique ne pardonne jamais. Monsieur Apollinaire, c'est valable aussi pour vous. La France-Afrique ne pardonne jamais. Au point où vous êtes là, vous êtes à un point de non-retour. Mais ce que je peux vous dire, encore une fois de plus, je le répète, vous êtes sur la bonne voie. On ne jette pas la pierre sur une mangue verte, sur un fruit qui n'est pas mûr. On jette la pierre sur le fruit qui est mûr. Donc, vous êtes donc sur la bonne voie et que par conséquent, ils vont vous nuire. Et la méthode, ça a toujours été comme ça. Maintenant là, comme vous avez fait partir l'ONU, vous avez fait partir l'ambassadeur, la France, parce que l'ambassadeur, là, c'est le représentant de la France, c'est la France. Vous le faites partir. Vous allez faire partir sabre, ça c'est évident, ça c'est inévitable, vous devrez absolument le faire. Ce qui va vous rester sur le dos là, c'est les ONG. Vous allez faire comme vous avez fait là, on va ouvrir une enquête. Cette enquête là, elle ne doit pas être internationale, elle doit être nationale. Ce n'est pas, parce que s'ils envoient des gens depuis les Nations Unies, ça va être encore des gens qui viendront pour aller parler avec des civils, leur donner de l'argent pour faire des fausses déclarations contre vous. Donc, il faut que ça soit national. Mais nous, nous savons déjà qu'on n'aurait même pas besoin d'une enquête parce que les terroristes n'ont pas d'uniforme. Les terroristes sont en civil, comme des citoyens ordinaires. Mais la population les dénonce, c'est tout. Voilà ce qui est en train de se passer et voilà comment vous devrez faire pour continuer à avancer et aller en puissance. Le Mali est passé par là. Il n'y a pas de raison que vous puissiez échouer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba colère ve yamalem. Soyez bénis. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis abondamment par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils puissent être neutralisés, maudits, punis, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs. J'ai dit et j'assure. Vive l'Afrique éternelle. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement
de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.